joie, une soirée d'enquête, une soirée d'allégresse devant le Seigneur. Nous allons l'inviter, nous allons dire merci pour la journée, nous avons passé très bien. Nous tous quittons son travail, nous tous quittons les activités. Seigneur, nous avons une chance, nous sommes capables de la soirée. On veut voir nous devant pour nous dire merci pour les choses qu'il fait pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel, notre roi, notre rédempteur. Notre bouclier, Seigneur Dieu, nous louons. Nous glorifions, nous magnifions, cher Seigneur Dieu. Merci à soi, à bon Dieu, Père Tout-Puissant, de ce que ton peuple est capable de réunir, cher Seigneur Dieu. Nous venons dans un simple but pour nous capables de louer, non, pour nous capables de salmodier, non, pour nous capables de glorifier, non, cher Seigneur Dieu. Mais au moment ça, nous remettons Tout-Puissant Dieu Créateur, service ça, non, mais bon papa. Tant pis, mais la vie, nous nous mettons, mon cher Seigneur Dieu. Dans mon dos, va capable assister, nous, à soi, à bénir, nous, avec présence. Permettre que Tout-Puissant Dieu, tout ça qui va faire, tu es capable de faire par la gloire, pour la gloire de ton nom saint et ton nom glorieux, cher Seigneur Dieu. Nous invitons à être parmi nous, bon Dieu vivant. Bénis chaque cœur, bénis chaque homme qui est là, Tout-Puissant Dieu Créateur. Bénis nous-mêmes qui déjà venus là, nous tous merci. Et que nous sommes capables de venir, cher Père, nous demander, nous sommes capables d'accompagner, afin que nous capables de venir prendre avec nous, bon Dieu. Afin que nous capables de passer un bon moment en présence, sous bon papa. Car au travail pour ça, on mérite ça. Pour que ton peuple est capable de réunir, cher Seigneur Dieu Créateur. Pour faire éclater de louanges et de gloire en ton honneur. Parce qu'on fait de grandes choses pour nous-mêmes, à soi. Nous venons devant, nous remettons service à nous-mêmes. Programme ça dans mon bon Dieu. Tant prie, nous demandons, cher Seigneur Dieu Créateur, par ton Saint-Esprit. Permet que tout capable de faire ton bien pour ta gloire de ton Seigneur. Et en même temps, tout nous demandons, bon Dieu, on va capable pardonner nous, on va capable laver nous, on va capable purifier nous de toute souillure, de toute bagaille qui part bon dans la vie, nous, dans le cœur, nous, dans l'esprit, nous, bon Dieu. Afin que, cher Père Tout-Puissant, tout ça que nous va dire, non, tout ça que nous va dire à l'endroit de vous-même, bon Dieu, capable acceptable, capable Tout-Puissant, Dieu Créateur, monter vers vous-même, cri d'alarme, cri de louange, d'exaltation, cher Seigneur Dieu Créateur, capable monter vers vous-même comme de l'encens. Sur l'autel, cher Seigneur Dieu, qui est acceptable ta sainte présence. Bénis ton peuple, cher Seigneur Dieu. Bénis chacun de nous-mêmes, mon papa, et assistez-nous, car sans nous-mêmes, mon Dieu, pas rien que nous sommes capables de faire. Mais avec nous-mêmes, nous connaissons tout est possible. T'en prie, cher Seigneur Dieu, Créateur, c'est que nous devons, c'est comme ça que nous demandons toutes ces choses. Pendant que nous avons commencé, mon Dieu, nous invitons à être parmi nous. Fais-nous grâce à vous, cher Seigneur Dieu. Nous pas bon, nous pas dit, nous pas mérité rien, cher Seigneur. Mais vous-même qui méritez toute bagaille, au nom de Jésus, nous louons. Au nom de Jésus, nous salmons Dieu. Que nom soit loué, que nom soit exalté. Depuis aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Amen, amen, amen. On va chanter ici-bas, bonheur suprême. De gloire à l'agneau, la gloire de Dieu.
voir devant Seigneur. Dis merci pour bien faire yo. Dis merci pour bien faire yo. Dis merci d'être que vous là toujours. D'être que vous respirer, d'être que vous vivre, d'être que vous marcher, d'être que vous capable de servir. Quel monde qui pas capable, quel monde qui est armé là soya qui pas capable là, mais ou même ou là soya. Dis Seigneur merci, car nous venons fin d'année ya. Qui en pile trajet, qui en pile bagage qui passe dans la vie nous, qui ont des couches de problèmes qui passent depuis le commencement année ya. Qui en pile même qui pas connaît si t'as toujours vivant, si t'as là toujours, mais nous là, Seigneur li fidèle, li kembe parole li yo, li fidèle dans parole li yo, li fidèle dans promesse li yo. Dans moment ça dis merci. Dis merci, louez, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous glorifier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous magnifier, à la bon sabon, pour que nous capables de venir en présence ou à soya, pour nous capables de venir louer, pour nous capables de venir saluer Dieu, parce qu'on est bon pour nous, Seigneur, nous faire pour nous-mêmes de grandes choses, ou marcher avec nous chaque jour, à chaque fois, Tout-Puissant Dieu Créateur, nous avons gardé la vie, nous, pour nous mettre toutes les bagages qui passent, nous, mon Dieu, c'est pas nous qui t'adouer là, Seigneur, à soya, dans le moment ça, mon Dieu, pour peuple être capable de réunir, nous une bonne gloire, honneur que même seul mérité, non pas pour seulement pour aujourd'hui, mais à chaque jour dans la vie, nous, mon Dieu, à souhait, mon Dieu, ce moment que nous mis à part, nous mettons juste ça, pour nous capables de venir ensemble, venir voir gloire qu'on mérite, nous demandons à souhait, pour nous accepter, tout puissant Dieu Créateur, de la part de ton peuple, tout cri que nous portons par nous-mêmes, toute louange nous portons par nous-mêmes, parce qu'on mérite ça, Seigneur, non moins béni l'éternel, que tout ça qui n'en moins béni, cher Seigneur, non moins béni, à tout ça qui n'en moins béni l'éternel, oh Dieu, vivons mériter louange. Mes peuples, devant assoya. T'en prie, mon sauveur. T'en prie, mon sauveur. Assistez-nous, mon Dieu. Car c'est eux-mêmes qui papa nous. C'est eux-mêmes qui sauvent nous. C'est eux-mêmes qui rédempteur nous. C'est eux-mêmes qui bouclier nous. C'est eux-mêmes qui a qui. Qui fait tout pour nous-mêmes, mon Dieu. Car lorsque le moment yo, est très dur pour nous-mêmes, oh, c'est eux-mêmes qui toujours campé à nos côtés pour capable défendre nous. Lorsque diable campé, lorsque démon campé, lorsque maladie campé, lorsque problème campé, nous ne connaissons qui côté nous allons aller pendant cette année, mon Dieu. C'est eux-mêmes qui t'es campé à nos côtés et à soya, mon Dieu. Peuple a réuni, ne façon pas, oh, mon Dieu. Capable louer, non, Seigneur. Car vous méritez ça, vous méritez ça, vous méritez ça, vous travaillez pour ça, vous faites pour nous-mêmes. De grandes choses, mon Dieu Créateur, assoya. C'est pour cela que la demande. Vous êtes capable de bénir tout puissant Dieu Créateur en cette langue. Bénis tout ça qui va faire. Peut-être capable de faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tout puissant Dieu Créateur, tout groupe yo, qui pourra aller chanter en ton honneur. Bénis tout puissant Dieu Créateur, chaque morceau qui pourra le présenter en ton honneur. Que cet esprit, ou mon Dieu, capable de capturer les expressions qui sortent dans le chant sa yo, ou les mots qui sortent dans le chant sa yo, ou capable d'édifier que nous, ou capable d'édifier que nous. Et capable d'édifier que nous, mon Dieu, et présence capable de descendre, présence capable de descendre, présence capable de descendre, comme le feu, cher Seigneur Dieu Créateur, pour entourer nous, mon Sauveur. Oh, parce que vous grand, parce que vous méritez gloire, vous méritez honneur, vous méritez louange. Tant pis, Seigneur Dieu, assistez-nous, mon Sauveur. C'est cri que nous devons, c'est désir nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Pendant que nous gagnons, Sœur Jean-Denis et Frère Cathy Denis, capable de préparer la lecture de la parole de Dieu qui nous va venir dans Psaume 118, versets 1 à 7. Nous allons chanter 73 français qui me relève dans mes chutes pour nous chanter et faire le roi du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Yeah.
va attendre la lecture de la parole de Dieu maintenant, qui va faire dans Psaume 118, versets 1 à 7. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous faisons lecture de la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 118, versets 1 à 17. Psaume 118, versets 1 à 17. Louez l'Éternel car il est bon. Qu'Israël dise. Que la maison d'Aaron dise. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient et m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'étaient comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Psalm 118, 1 to 17. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Let Israel say, his love endures forever. Let the house of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. When hard pressed, I cried to the Lord. He brought me into a spacious place. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me. He is my helper. I look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All the nations surrounded me, but I cut them down in the name of the Lord. They surrounded me on every side, but in the name of the Lord, I cut them down. They swarmed around me like bees, but they were consumed as quickly as burning thorns. In the name of the Lord, I cut them down. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. The word of the Lord.
Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen, amen, amen. Dieu est avec nous. Amen, amen. Merci, asseyez-vous. You may be seated. We thank you, Lord. Nous disons Seigneur, merci. Nous commençons dans une bonne note et nous voulons être comme ça. Et dans le moment ça, pendant que nous allons passer dans une section qui est très importante, côté que nous allons avoir plusieurs groupes qui vont performer à Soya pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous avons demandé témoin de l'âne, pas témoin de l'âne, non? Témoin de l'âne, vous êtes capable de préparer pour avancer, pour chanter pour nous en tout premier lieu. Et avant tout, nous avons cédé place ça avec Pasteur Rich, qui va faire des mots de bienvenue à nos visiteurs et dans la présentation de tout le monde qui est avec nous à Soya, qui sortit de loin. Même avec nous-mêmes qui sommes de la maison, amen. Amen. Pasteur Rich et je. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous dit le Seigneur merci, les bonnes opportunités, nous sommes capables de réunir à Soya pour nous capables de glorifier nos lignes. Alors, d'habitude, service ça, il compte sous l'obédience, l'association des pasteurs, mais depuis la pandémie, ils ont décliné. Et service ça, il est très spécial, spécialement à nous-mêmes. À service ça, il a une signification très, très, très importante. Et nous avons rappelé l'Église là, les raisons qui font que nous réunis là. Le pasteur Charles Réjouis était venu dans New Jersey, il était sorti de New York en 1980. Les pasteurs de New Jersey, youn pat chita ak lot. Et youn pat al lakay lot, youn pat ap fè réveil pou te invite lot. Et le pasteur Réjouis te vini nan New Jersey, li te apprenne ça, li te marché ka tout pasteur yo, il te invite yo pou yo te capable faire un service d'unité. Et nan Thanksgiving 1980, yo te fait service ça. Et des années après, il était venu déboucher sous l'association des pasteurs de New Jersey. Alors, il paraît que pasteur Réjouis mourir, l'association a gagné le mourir tout. Mais et nous croyons que c'était un beau objectif. Et nous voulons qu'un bébé bannière là. Nous voulons qu'un bébé bannière là. Et c'est dans l'esprit de bon voisinage qui fait que à Soyan, nous avons fait service ça de concert avec l'église baptiste de Shiloh. Et qui pas trop loin nous, c'est l'église voisine nous qui tout près nous là. Et parce que l'évangile là pas une compétition, nous pas capable prendre soin tout le monde qui t'a voulu converti. Nous pas une place pour ça, nous pas une habilité pour ça. Ça veut dire que plusieurs l'église y a ouvri porte pour capable desservir autant de monde que possible. Et même là où est main droite à main gauche, gen de leur yo aussi loin de l'autre, mais comme ça tout leur besoin font bagage yo vin ensemble. Et c'est ça que fait Assoyan, nous gagner avec nous l'église baptiste de Shiloh. Yo pas visiteur, non seulement pour moi yo pas visiteur parce que le marché l'homme la caille moi et yo même tout me connaît que leur ici a et yo senti yo la caille. On a invité tout le monde qui sorti dans l'église baptiste de Shiloh, yo capable camper et comme ça nous même pas bon ici. Nous sommes capables d'accueillir chaleureusement tous les membres de l'église baptiste de Shiloh. Nous avons invité au métro debout, pas besoin de honte, il n'y a pas de garde, c'est moi seul qui ai gardé. Ok. Merci, nous sommes capables de chita. Nous sommes capables de chita. Et nous avons un pasteur Élisé qui est derrière nous, c'est lui qui va prédicateur nous. Pasteur Élisé, non seulement c'est un ami, mais lié de l'église d'Empile. Travaille de concert avec frère Henri Joseph pour aider nous. Pour nous établir les paramètres pour l'administration de l'Église là, pour nous capables de faire un rapport, tout ça que nous avons fait. Pasteur Élisé, non seulement il était aidé nous pour nous établir, mais même là, nous avons fait changement, il est venu pour nous capables d'entraîner même l'Église qui employé nous. Et nous très reconnaissants à l'endroit de Pasteur Élisé pour contribution à l'Église là. En plus de l'église baptiste de Shiloh, n'a demandé si t'as un monde qui a visité nous, qui vient adorer ensemble avec nous à Soya, qui pas membre l'église ici ou sinon qui pas sorti dans l'église baptiste de Shiloh, ou capable camper comme ça nous capable saluer ou dans le nom de Jésus. OK. Ou capable ba nous nom s'il vous plaît. Merci, nous content qu'on choisi adorer ensemble avec nous.
pendant que nous avons passé un moment de fraternisation ça et un moment de reconnaissance envers le Seigneur, nous avons prié que le Seigneur soit capable de bénir. Sous déjà marché avec le Seigneur, n'a pas encouragé aucun béla, parce que bon Dieu n'a servi un lit vivant et il fait de grandes choses. Et si vous pouvez accepter Jésus tout, et dans la vie, ça veut dire que si nous, tout là, nous t'amour en même temps, est-ce qu'on compte qui compte pour passer l'éternité, ou si pas gagner l'assurance du salut, pour qu'on ait l'or qui t'éteint ça, ou pour le réveiller dans les bras de Jésus, n'a pas invité ou pas quitter ça, sans qu'on pas fait cette grande décision pour accepter Jésus comme sauveur, et nous pouvons garantir ou pas regretter ça. Et une fois encore, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Ou capable chita. Amen. Ou capable ba nous, non, s'il vous plaît. Merci. Ok, la famille Charles. Ok, c'est même famille. Ah, mon cher, ou gaye, oui, là. Nous dit bienvenue à la famille Charles. Nous content que vous choisissez. Passer ce moment ça avec nous, nous connaissons pile monde qui était capable là, mais yo plutôt rété y a trempeteur qui yo y a fait l'autre bagaille. Mais même j'ai avec Marie, il était rété au pied du Seigneur, même l'heure que l'autre activité ça yo, yo important tout, mais Jésus t'a dit une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part et nous content que avec nous que le Seigneur est capable bénir et n'a pas encouragé aucun béla et de même que nous t'ai dit à notre sœur si vous pourquoi accepter Jésus dans la vie yo, et fais ça parce que pas mettre à plus tard ça que ou gain pour faire kounia demain pas garanti plus tard pas garanti c'est moment où à vivre là qui pour ou une fois encore bienvenue que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous a profiter de l'occasion ça pour nous capables fort songer que vendredi matin si Dieu veut n'a gagné notre grande journée de jeûne et de prière de repentance pour Haïti et n'a prétendre tout le monde indistinctement. Et gen moun kap tande nous peut-être en direct sur radio en ligne sur quelque soit plateforme pour recevoir nous et moun ki pa mambi si yo l'église ou a ouvri al nan l'église ou et parce que nous ta remè fè yon journée de prière pour Haïti. La situation Haïti est là, nous pa kab fermer yeux nous. M'te prêché ça ici déjà, m'te dit ça, le t'a kidnappé moun, yo t'a lagué ti moun sou fatra. M'te dit ça, m'te dit pasteur, ferme bouche, yo pas dit rien. Violence rien pour arriver devant porte yo. Parce que c'est comme ça la vie en yé. Là où yo prend voisin, l'on pas dit rien. Là où fin prend tout voisin yo, c'est où cap rete. Et là où vin pour en tout, pas gen moun cap dit rien pour. Ça veut dire que li extrêmement nécessaire pour nous prier pour Haïti. Faut nous prier pour Haïti, même là n'a fait toute l'autre activité, mais avant tout, nous besoin prier pour le Seigneur, li capable ba nous direction. Et que li capable ba nous succès dans quel que soit ça nous voulons entreprendre. N'a demandé que tout le monde qui est capable joindre avec nous vendredi matin à partir de 6h porte l'église là ouvri pour nous capable prier pour Haïti. Et pendant service là tout nous a dédié offrande qui a fait là pour nous capable aider les personnes en nécessité. C'est pas pour dire l'autre activité non, monde qui n'a besoin en Haïti qui a brûlé, qui besoin d'aide, nous connaissons depuis fin année arrivée, nous avons fait ça pour nous capables de longer même bayo, parce que nous connaissons que le pays est très 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 difficile et il y a un pile monde qui est connecté à l'église ici, hein, yo toujours, malgré que bon papa parle encore, mais yo toujours a brûlé pour yo mandé et nous obliger pour faire des gestes avec eux. Une fois encore, que le Seigneur vous bénisse. Les témoins de l'agneau que nous allons entendre maintenant dans le premier dans un morceau. Nous allons me dire avec tout le groupe, please, bon un seul morceau à soi. Il y a 24 décembre qui est venu, amen. Donc, on est capable de faire l'autre préparation. C'est capable un morceau seulement et nous sommes capables de passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Les témoins de l'agneau.
puis El Shaddai, please, mettez-nous prêts. Après témoin de l'agneau, El Shaddai. Emmanuel, descendu pour nous du ciel, pour le merveilleux soleil, bienfaisant dès le réveil. Béni soit ton nom, see.
plus chaud, plus chaud. Amen. Un bel morceau. Yo habillé bien Chalbert. Yo venu dans la présence du Seigneur. Et puis venu chanter la gloire du Seigneur. Amen. Amen. C'est belle bagaille. C'est belle bagaille. Dans le moment ça, nous avons demandé avec le groupe FAMO. C'est eux-mêmes qui va chanter pour nous dans le moment ça. Et après ça, nous avons demandé aux capables de préparer l'offrande, collecte, pour s'attendre à ça, pasteur a sorti nous. Pour nous capables d'aider ici là, qui dans les besoins. Capable de faire un effort dans ce qui va pas assurer, pour capable d'aider l'autre qui dans les besoins. Pour FAMO, sous direction Maestro Jack Muller, Donoco.
Fabo avec tout le maestro Muller qui chante pour nous. Et nous disons Dieu merci pour vous. Et dans le moment ça, vous voyez que plusieurs groupes qui sont là, c'est vous-même qui parlez fort. Je voulais avec nous dans le groupe ça, vous êtes capable de travailler pour Dieu même. Nous voyons à ce soir, nous sommes en présence de tout le monde, pour un paquet d'autorités, c'est le Dieu tout puissant et même. Tout ça qui est fait là, c'est pour sa gloire et même. Que vous bénissez l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous mettons nos deux bouts sous pied. Nous allons chanter. Mes yeux ont vu la gloire. Et puis, nous avons demandé où on va capable en bail offrande que vous avez porté à Soya pour capable bénir si là qui dans le besoin. Amen. Nous demandons les gens qui sont assemblés, tout le monde qui est responsable, capable d'approcher et faire ça pour nous-mêmes pendant que nous allons chanter devant le Seigneur. Nous allons danser. Pour nous faire la gloire à Dieu vivant. Mes yeux ont vu la gloire. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus qui prend son mort, qui me mange la victoire sur la croix pour le pécheur. Le péron a déjà sonné. Jésus, la mort, la mort.
dit amen. 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 Merci. Nous capables chita. Et maintenant, c'est le tour de Children Ministry qui pourra aller, pourra avancer devant de façon pario. Il pourra venir chanter les louanges du Seigneur. Avec ce Marge et ce Barbara, on va avancer avec les Children Ministry qui pourra chanter dans le moment ça devant le Seigneur. Amen, amen. Just like the song we just sung before, we give praises to our Lord, we glorify our God.
Bad menu for the children ministry of Mount Olive Church of God. Bad menu. Amen. Amen. Sans encourager eux pour capable faire plus, pour capable briter dans travail ça. Amen. Amen. Nous disons Dieu merci pour eux. Priez pour moun kap dirije yo, pour capable gain patience envers yo. Amen. Amen. Maintenant, on attendait les dames, la chorale des dames, pour aller avancer eux-mêmes. On va chanter un morceau pour nous-mêmes tout. Bien belle. Capable avancer. La chorale des dames de l'église de Dieu, Mont des Oliviers, à 24 Cleveland Street, Orange, New Jersey. La chorale des dames. Thank you.
Amen, amen. C'est un bel chant que vous chantez pour nous. Nous disons merci avec les dames missionnaires, avec Maestro Val, Onique Val. Et maintenant, nous mettons sur des pieds, nous bien-aimés. Nous pouvons chanter Jésus, roi des rois, moi béni non. Et vous êtes capable d'entendre quelques paroles d'encouragement par serviteur qui choisit pour capable parler avec nous à soi. Nous chantons chant ça. Et mais nous-mêmes, qui sommes nos petits gens frettes, nous sommes capables de chauffer un peu. Amen. Il n'a pas fait frette là. Non, il n'a pas fait frette. Pas fait frette. All right. Bon, nous chantons pour faire le moins, Seigneur. Nous chantons ça. Jésus, roi des rois, moi béni non. Amen. Amen. Toujours et à perpétuité. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant nous dire merci. Merci d'avoir que tu permettes le peuple à te réunir.
les groupes te réunis, cher Seigneur du Créateur, pour te capable venir chanter louange, cher Seigneur du Créateur, de venir manifester reconnaissance envers vous-même pour tout tes bienfaits envers vous-même, cher Seigneur Dieu. Nous te merci pour tout ça qui t'est fait, mon papa. Merci pour l'offrande qui t'est ramassée, mon Dieu. Que le peuple a te porté et te porté, cher Seigneur Dieu, pour te capable, pour te capable aider ceux là qui dans le besoin. Nous demandons capable bénir tout puissant Dieu Créateur, offrande ça, fais que le fait tout puissant Dieu Créateur, ça que nous pas t'espérer, mon Dieu. On va capable multiplier pour nous-mêmes, mon Dieu. Et on va capable bénir ceux-là qui ont les besoins. Et bénir tout puissant Dieu Créateur, chaque monde qui t'a contribué. Et donc, pour ça, Père tout puissant, nous remets serviteur ça. Il va camper pour capable encourager nous. En quelques mots, demandons au Seigneur Dieu, on va capable servir avec lui. Utilisez le bon Dieu dans façon pas. Depuis de tout ça que le préparé mon papa, il t'a préparé mon papa. Que même que cet esprit a capable de parler à travers lui-même. Et que nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, nous va capable bénir, nous va capable édifier, saluer. C'est que cœur nous se désire nous. Au nom de Jésus. Merci, asseyez-vous. La mère pasteur Henri, je suis capable d'approcher. Je suis capable d'introduire pour nous-mêmes le prédicateur de ce soir. Paix et grâce, bon Dieu, avec vous. C'est un plaisir que nous gagnons avec nous le pasteur Francis Élisée, et qui est un serviteur de Dieu. Quel que soit toute l'autre bagaille, on moun ka dit de on moun, pas gagné une qui est plus important que on moun, c'est serviteur bon Dieu qui gagne la crainte de Dieu. Et c'est un serviteur que nous vivons avec et que nous apprécions pour sa geste et pour spiritualité. Et ça fait longtemps nous t'avons caressé le désir pour te prêcher pour nous. Et pasteur Monel, il t'a ouvert la porte là, il t'a demandé pour nous t'être capable de lancer une invitation à pasteur Élisée. Et nous avons invité pasteur Élisée, il est capable d'approcher et délivrer pour nous le message de la parole de Dieu. Nous recevons en disant Amen. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, l'Église. Amen. Que grâce et paix, mon Dieu, avec nous. Nous sommes chantés, nous bénissons. Pour ça, le fait pour nous, pas vrai? Qui ça le fait pour vous? Fait en pile pour nous-mêmes, pas vrai? Qu'on partit dans le chanté qui dit que. Tête chargée, c'est pour? C'est pour un petit moment. Ça montre la foi, nous, dans le Seigneur. Hein? C'est que nous connaissons que nous avons des problèmes, pas vrai? Il n'y a pas pour mettre nos vies qui n'ont pas de problème. N'a pas bien problème. Mais nous dit tête chargée, c'est pour un petit moment. Moi béni non. Est-ce qu'on bénit non la soirée? Amen. Est-ce qu'on bénit non la soirée? Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça offert pour moi, pour ça offert pour peuple. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Nous dit bon Dieu merci pour grâce et bénédiction. Nous remercier corps pastoral qui t'a invité nous pour nous prêcher la parole de Dieu à soir. Et nous remercier pasteur Jacob également qui t'a choisi nous pour nous être là également, il parle à soir. Dès que t'as gagné quelques engagements, nous avons quelques membres de l'église qui viennent après que t'a salué visiteurs, monde qui t'a venu à Wetarum Kawen. Il va pleuver, il me connaît ça, il va pleuver. Mais that's okay. Nous dit ouais, nous tout qui venir en retard, c'est bien, c'est bien. Moi avec madame moi et pas rater ça, c'est rater ça me gagne un problème. Donc my wife, qu'a fait petit café pour moi, s'il vous plaît. Merci. Donc c'est servir ça que Seigneur a mis bon côté moi qui aide moi. Donc nous dit merci pour soirée. Et nous remercions le groupe qui bénit nous dans chanter et tout ça qui était fait. Nous sommes en présence, mon Dieu, de la soirée. Et nous connaissons toujours là, dans l'Assemblée. Amen. Parce que lui dit, lorsque nous deux, nous trois, nous réunis, qui s'est passé? Il est là. Je dis à nous plus que deux. Hein? Et nous connaissons là. Ouvrez-vous avec moi. Quand nous allons parler de unité, et nous allons parler de bénédiction qui marchait avec unité. Et un psaume que nous connaissons très bien, c'est le psaume 133. Il y a trois versets et moi j'ai trois points pour nous-mêmes à soi.
3 versets, 3 points. Je ne sais pas qu'on a qui l'heure fini. Donc, si vous me coupez dans le message là, dis-moi. Ok, c'est une somme que nous connaissons très bien, m'appeler pour nous-mêmes. Voici, alors nous allons comprendre, lorsque l'auteur a commencé avec Moussa, qu'en anglais, il dit, behold, son message que le poil bat, son bagage important que le poil dit, et il demande tout le monde pour prêter attention. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Laissez-moi aller rapidement avec nous pour me dire que la Bible a gagné en pile histoire de frères avec frères qui ont un problème. Mais ce qui est important, c'est que en pile dans l'histoire, ça, yo, nous voyons que nous finissons avec réconciliation. Nous n'avons pas fini avec réconciliation. Première histoire, frère avec frère, sont catastrophes que liés. C'est ça que nous jouons. Non, Genèse, côté que Noé qui s'arrivait avec Caïn, nous connaissons là, pas vrai? Mais l'autre histoire, frère avec frère, nous réalisait que malgré les problèmes que vous avez entre eux-mêmes, mais vous arrivez en temps. Et c'est le son ça qui est plus important. Parce que nous avons toujours un problème, mais c'est comment nous résoudre le problème. Nous réalisons que Jacob avec Esaü était un problème, pas vrai? Hein? Depuis l'enfant, je commence la bataille. Depuis l'enfant, il y a bataille. Et les arrivés sous terre, même problème n'a continué. Il y a un qui quitte la zone, là, aller dans l'autre pays. Mais ce qui est important, c'est que il retourne à la réconciliation. Et si on a parlé de Joseph lui-même, jalousie, il a vendu. S'arriver à la fin. Réconciliation. Et concernant Jésus-Christ, notre Sauveur, frère, il n'y a pas de comprendre. Il n'y a pas de suivre au commencement. Mais nous connaissons, après sa résurrection, qui ça qui passait. L'Éternel lui-même, lui entrer dans la relation, frère avec soeur, en parlant de Moïse avec soeur, lui. Et avec Aaron, pour le mettre en haut là dans ça. Côté que l'Éternel même lui punit ce Moïse. Donc ça veut dire que relation entre frère à frère n'est pas toujours un bagaille qui allait soit, un bagaille qui allait normal, gagner problème dans la relation. Somme que nous sautons là, son somme, côté que il a adressé l'unité qui a dû exister. Et auteur somnant, c'est David. Et David lui-même, quand on connaît tout, il voit la vie lorsque pas gain unité, et il voit la vie lorsque il gain unité. Voilà pourquoi il décrit dans somnant les bénédictions qui gagnent lorsque nous vivons ensemble. Les bénédictions qui gagnent lorsque nous avons dit que, en dépit des difficultés, de différences, de pensée, mais nous gagnons un bagage commun qui unit nous. Donc c'est ça que David a montré dans ce psaume-là. Et son psaume a dit que les pèlerins qui pourraient aller à Jérusalem, côté que ils pourraient adorer, ils pourraient fêter et dans notre temple ou bien notre tabernacle, là, c'est chanter ça que qui dans alors c'est psaume ça qu'ils vont chanter pour préparer l'âme, l'esprit, parce qu'ils ont sorti de plusieurs côtés et ils ne veulent pas avoir un conflit
la caillou. Il a chanté somme ça. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux, etc., etc. Ça que nous sautons là. C'est chanter ça qui est dans la bouche, qui vous prépare dans le moment que vous pouvez aller à Jérusalem pour vous fêter. On a dit que c'est tellement important, unité, à côté que Jésus-Christ lui-même, avant que lui mourit, c'est prière ça que lui fait à papa lui. Son prière qui est spéciale, que nous joignons dans Jean, côté que, dans Jean 17, la prier papa, pour que les disciples y auraient été unis. Non seulement, les prier pour les disciples qui étaient avec lui dans le moment ça, pour y auraient été unis, mais il dit également, la prier pour nous-mêmes qui pourrons accepter Christ comme sauveur personnel. Non. Imaginez, Seigneur, lui-même qui c'est grand prêtre, nous, l'entend prier pour nous-mêmes, chers frères et sœurs, pour que nous gagnions unité, la caille. Parce que unité est important pour Seigneur, est important aux yeux de Dieu. Nous avons dit que unité, nous avons dit que et bataille pour nous quimber entre nous-mêmes. Unité dans la famille, non. Unité dans la l'église. Unité dans la organisation qui existait. Car unité, on a dit que c'est un cadeau qui sortit de bon Dieu. Son cadeau que bon Dieu fait à nous-mêmes, qui c'est petit. Son cadeau que lui fait dans le sens que même lorsque nous sommes capables de gagner divergence de vue, mais nous connaissons que nous avons préservé ce qui est commun entre nous-mêmes. N'a préservé ça que m'a dit que qui objectif commun que nous gagnons. M'a dit que nous avons parlé de unité dans le sens chrétienté. M'a dit que unité, c'est bon Dieu qui mettait des mondes qui différents, des mondes qui ont éthique différente, des mondes qui sont dans une classe sociale qui différente, mondes qui sont dans des familles qui différentes. Ils ont fait un seul en Christ. Parce que y a gagné une seule foi. Nous tous avons servi qui est ou même Seigneur. Le map gade assemblée à la, moi plusieurs groupes de monde, chaque monde gagne façon par eux chanter là, soyez, moi les hommes là, pour qu'on avec beau voix à chanter. Et moi Timounio qui a chanté, moi les dames qui a chanté. Chaque monde gagne un bagage qui porté, qui est différent, pas vrai? Nous différents, c'est-à-dire que là, on a parlé de unité, hein? Nous pas ouais, une uniformité. Parce que lorsque bon Dieu choisit nous, l'ikembe nous avec liban chacun de nous-mêmes don, liban nos talents pour nous servir. Ça fait que moi pas besoin sembler à frère Paul, par contre c'est un frère Paul là mes amis. Moi pas besoin sembler à frère Paul parce que bon Dieu bon don pam. Eli bay frère Paul don Pali. Et ce mari pas besoin sembler à sœur Josette. Parce que nous chaque nous gain don que Seigneur a ban nous. Donc lorsque nous a parlé de unité, nous va parler d'un bagage qui uniforme. Parce que chaque monde gain talent pa yo, bon Dieu pour le servir à chaque monde différemment, c'est même genre avec corps nous. OK? Corps sont ensemble que lié et chaque partie dans corps nous li important parce que chaque partie dans corps nous bon bagaille qui spécial que pour lui faire. Donc voilà pourquoi que nous dit que unité que n'a parlé hein, c'est pas une uniformité mais unité hein, c'est lorsque nous camper pour la paix, lorsque nous n'a dit que au lieu que gain conflit n'a lutter pour que gain la paix, au lieu que m'a dit que gain haine n'a travail pour l'amour, au lieu que n'a dit que nous pas voulez pardonner parce que un monde fait nos bagages, mais n'a travail pour que nous gagnions pardon entre nous-mêmes, parce que n'a dit que question de conflit, question de ou pas pardonner mon nom, question que ou gagne haine dans cœur, ça c'est ennemi unité que oui. Non seulement yo c'est ennemi unité, mais également m'a dit que ça yo c'est jouet de Satan. Parce que Satan pas besoin pas ta remet que nous unis.
Et notez bien comment que Jésus-Christ présentait et prière lui lorsque il a parlé de Seigneur, demandé bon Dieu pour que il gagne unité, il dit ça que avec unité qui a existé dans le mitan peuple là, l'autre monde qui pas connaît Jésus-Christ vie que n'a mené va faire que yo vinn connaît Jésus-Christ, va faire que yo connaît qui est-ce qui voyait Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons ça, chers frères et sœurs? C'est-à-dire que façon que nous vivons dans la paix, façon que nous vivons en harmonie, c'est un signe, son message que nous voyons par le monde là, pour nous dire monde là que, c'est pas même nous qui dit, c'est la parole de Dieu, nous allons aller dans Jean chapitre 17, que, pour nous dire monde là que Jésus-Christ que nous avons servi, c'est bon Dieu qui voyait. Parce que là au poil nous sortis dans différentes et régions, nous parler, m'a dit que nous sortis dans différentes races, mais nous capables de réunir ensemble, nous capables de travailler ensemble. Donc ça, c'est un bagage qui est spécial. Comme on dit dans la vie du peuple d'Israël, il était connaît division. Voilà pourquoi David écrit somme pour eux-mêmes, pour le faire comprendre que lorsque yo gen unité la caillou, bénédiction, bon Dieu a déversé sur eux-mêmes. Premier point, moi, chers frères et sœurs, c'est que unité a, li rend à la fois, li rend la vie a, bonne et agréable. La vie yo, a gen un aspect, n'a dit que, et un aspect qui bon, et là pour moi ce qui est agréable, c'est ça que l'auteur a dit là dans le premier verset là, oh voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Voici ces déclarations à la fin. À savoir que bon bagaille qui spécial que il pourrait raconter. OK, il pourrait dire un bagaille qui spécial. Prêtez attention parce que ça le pourrait dire non, vie lorsque n'a vive en unité, li c'est li bon, li agréable. Nous pourrait réaliser que li pas seulement bon aux yeux des hommes, mais li bon aux yeux de Dieu. Et bon Dieu, li mettait, n'a dit que by bénédiction la donne. Et on a parlé de bon, nous qu'à aller exactement dans Genèse, dans chapitre 1er, nous pourrons réaliser que tout ça que l'Éternel créait dans chapitre 1er, hein, il répétait, et auteur a répété 7 fois, que lorsque l'Éternel finit créer un bagage, il dit en ça que, lui, bon. Il crée la lune, il crée la lumière, il dit ça que, ben, ça a bon. Là, il finit dans Genèse 1er, verset 10, après que il sépare de l'eau de terre, là, il dit ça que, ben, ça a li bon. Pas vrai? Si nous continuons dans Genèse chapitre 1er, verset 21, lorsque il crée animal, il commence à peupler terre, là, il gagne l'air, là, etc., il dit ça que, ben, il est bon. OK, tout ça le fait yo bon. Et finalement, dans verset 26 jusqu'à verset 30, lorsque le film fait toute bagarre, il dit ça que yo très bon. Ah, n'a pas suivi avec moi, pas vrai? Yeah. Donc, on a dit que on a parlé de unité selon Jean et David présenté, il dit ça que unité est agréable, c'est-à-dire que son bagage qui est bon aux yeux de Dieu. Et si on me font Jean dans l'engagement, c'est que préparer en anglais pour m'a dit en créole, OK? Mais c'est que li agréable et li doux, pas vrai? Li agréable et li doux. Donc, on a dit que dans ce sens-là, unité a li bon aux yeux de Dieu. Non seulement, on a dit que l'on a parlé de unité a li bon aux yeux de Dieu, mais nous-mêmes qui c'est peuple bon Dieu, lorsque nous unis, qui sa unité a ban nous, li ban nous réconciliation, pas vrai? Li ban nous réconciliation, famille réconciliée, lorsque nous vivons dans l'unité. Demain, si Dieu veut, la grand pile et Turquie qui pourra perdre la vie. Qui quand a perdu la vie, pas vrai? Donc, pendant que nous allons manger demain avec famille, non, pas vrai? Son bon bagage, nous tous pour aller réunir, nous allons manger avec famille, non? Mais est-ce que nous jouons unité ça? Est-ce que c'est Tekia qui réunit nous? Ou bien est-ce que c'est unité qui pour aller réunir? Ça, c'est un bagage qui est dans la réflexion pour demain.
pendant que nous avons mangé tout ce est-ce que nous avons une unité réellement dans la famille? Est-ce que nous avons? Donc, réfléchis sur ça. Unité a l'hypothèse réconciliation. Unité a l'hypothèse l'amour fraternel dans l'église. Unité a l'hypothèse développement économique dans le pays. Et pendant que je dis ça, nous sommes à Haïti, nous sommes à Haïti. Qui s'est passé? Dans qui état que lié? Qui s'est passé comme plus gros problème? Insécurité, d'accord, mais qui s'est passé comme plus gros problème? Ils ne sont pas réunis, ils ne sont pas vrai? Plus gros devise que nous sommes capables de gagner sur la terre et nous ne pas faire pour nous-mêmes. L'union fait la force. Mais nous ne pas jamais vraiment mettre nous ensemble. Lorsque nous gagnons unité dans nos pays, les développer économiquement, socialement, financièrement, etc., unité les porter succès dans une organisation. Dans le travail, si que nous ne pas respecter les normes, il y a mettez nous dehors dans le travail là. Parce que nous devons suivre les principes. Quelle que soit la différence que nous avons, il faut que nous respections les normes, les principes qui sont établis dans le travail là. Bon, là, nous, l'église, nous ne pouvons pas respecter rien. Bon, il y a l'église, mon des Oliviers, you know, parce que mon des Oliviers, son bail spécial. Donc, non seulement unité a dit que li bon aux yeux de Dieu, pas vrai, parce que unité a li exprimé le cœur de Dieu, parce que bon Dieu, ouais, m'a dit, lorsque nous unis son bail qui bon à ses yeux, non seulement le bon, mais li douce, pas vrai, li douce, c'est-à-dire que son bail m'a dit que, ou capable de prendre plaisir là-dedans, hein? Un exemple, Actes chapitre 2, verset 42 jusqu'à 47, côté que il décrit nous comment que son bel bagage que le pour les disciples lorsque il a gagné unité la caille, lorsque l'église a gagné unité la caille. Et lorsque la Bible a décrit nous cette unité, il dit ça que il a prié comment? Ensemble, pas vrai? Qui ça a été fait encore? Yo étudié Biblio ensemble. Non seulement ça, mais yo te gen l'amour fraternel entre yo même. Mais également, ça qui est plus important, que lorsque nous appelons passage ça, lorsque nous appelons Actes chapitre 2, verset 42 jusqu'à 47, c'est que pendant que yo gen unité, hein, pas vrai, pendant que yo a fait tout bagage ça, yo, qui ça t'est arrivé yo? Bon Dieu déverse bénédiction sur vous-même. Amen. Bon Dieu déverse bénédiction sur vous-même. Parce que, parole bon Dieu dit nous ça que, bon Dieu bénit vous, il augmente le nombre, yo, pas vrai? Donc ça, c'est ton bagage qui est spécial et miracle ta fait parmi vous-même. Voilà pourquoi, lorsque nous avons parlé de unité, nous, ouais, même gens que l'auteur a montré, nous, li agréable, li bon aux yeux de Dieu. Li bon aux yeux de Dieu et li bon également aux yeux des hommes. Parce que Jésus-Christ dit que lorsque nous avons unité la caille, nous, c'est l'évangile qu'il a proclamé. Parce que lui dit ça que lorsque nous avons unité la caille, nous, il y a pas un qui est-ce qui te voyé, lui. Lorsque nous avons unité la caille, nous, moun ki pa kweyo a vin aksepte l comme sauveur personnel. Ça veut dire que m'a dit nous pas fait évangélisation, pas vrai? Nous devons faire évangélisation. Mais plus gros évangélisation qu'on l'église est capable de faire, c'est que pour y avoir l'amour fraternel exister entre nous. Pour y avoir unité entre nous même là, son bagage qui spécial pour que yo vini tout goûter unité. Pendant que j'ai médité sur message ça et bien m'a appelé on sait de bagarre concernant qui concernait fourmi et puis il a dit que fourmi hein, c'est un petit bête qui travaille ensemble non seulement travaille ensemble. Alors, yo considère comme et bête que fait des colonies, yo gen monde qui a dirigé et côté premier à passer, il quitte trace pour que l'autre la suive yo, pour tout l'autre suive yo. Mais yo dit également
fourmi l'hypoté poids qui trois fois quatre fois valeur et quatre fois poids. Et nous avons imaginé nous-mêmes si que nous pesons 150 livres, est-ce qu'on peut porter un bagage 300 livres? On ne va pas capable de porter le bagage. Fourmi en lui-même, il porte. Mais il pas porté pour compte lui. C'est parce que il gagne l'autre fourmi qui a porté ensemble avec lui. Et ça qui est important dans la façon que vous décrit et question fourmi, ça, vous dites que vous-même, vous faites, entre vous-même, vous faites pont. C'est-à-dire que yon fourmi passe sous dos l'autre fourmi pour faire pont pour traverser. Ça veut dire que, en tant que fourmi, m'obliger à baisser moi pour aider l'autre là à avancer. Ça, c'est totale unité, totale collaboration. Donc, chers frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation que nous y est, mais parole, bon Dieu dit non, ça que nous devons efforcer, non, pour nous conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça que nous lit dans Éphésiens chapitre 4, verset 3. Non seulement ça, et l'apôtre Paul a continué pour dire que, à travers la parole de Dieu, que nous sommes un seul corps en Christ. Un seul corps. Pas rien de corps. Un seul corps. Pour quelle raison? Nous sommes baptisés par un seul esprit. Que soit à côté l'église athéa, depuis que c'est en Christ qu'on est, nous avons deux baptêmes. Nous avons un seul baptême. Nous baptisés par le baptême du Saint-Esprit. Qui espoir que nous gagnons? Nous avons un seul espoir, chers frères et sœurs. Nous pouvons aller même côté. Pas vrai? Nous pouvons aller même côté. Qui est-ce qui est bon Dieu nous? Nous avons un seul Dieu. Par contre, nous avons un deuxième. Nous avons un seul bon Dieu. Il voyait petit lit, Jésus-Christ vient mourir sur le bois du calvaire pour nous-mêmes. Nous gagnons une seule foi, dans le sens que nous tous qui sauvés, nous devons croire en Christ. Si vous ne croyez pas en Christ, vous ne pouvez aucun côté que vous parlez. Parce que Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si c'est Bouddha ou servi, manque qui côté vous parlez. Mais tout le monde qui a servi Christ, nous connaissons qui côté que nous aller. Donc c'est un corps que nous y est. Parce que nous gagnons une seule tête, nous gagnons même esprit, nous gagnons un seul bon Dieu et nous gagnons une seule foi. Pas vrai? Et nous recevons un seul baptême et un seul monde qui papa nous. C'est Dieu le Père. Deuxième point, non, c'est que unité a. C'est une bénédiction que bon Dieu lui-même lui déverse sur le peuple. Et c'est comme ça que David a décrit là, lorsque il peut aller faire deux comparaisons. Il peut comparer l'huile qui descend sur tête sous tête Aaron, et il peut comparer deux montagnes. Et lorsque David a fait remarque ça, peut-être moi-même avec vous, si nous pas faire recherche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire l'huile qui descend sous tête, sous Babaraon, sous toute Radli. Ça veut dire pour nous-mêmes. Lorsque David écrit, lui, moun qui était là dans le temps de David, là, il connaît ça, ça David veut dire. Et lorsque David a parlé de unité, hein, c'est même gens avec la rosée de l'Hermon. Moi-même, j'ai dit que le mal fait vacances, je connais la rosée de zone Jacques Melio, la rosée de Léogane. Nous connaissons la rosée, hein? Lors levé matin, on marchait sous Zébla, j'étais dans la mouillée. Pas que la pluie qui tombait, mais Zébla a mouillé. C'est que m'a dit que Seigneur a dans toute ça l'a fait il quand béni terre Zebla Mouy a dit que zone ça son zone qui pour vers m'a dit très productive. Donc lorsque David a parlé que c'est comme l'huile qui descend sur la tête sur la barbe d'Aaron, laissez-moi dire que l'huile ça c'est une huile qui spéciale que le tayé et que c'est l'huile que l'Éternel te baille Moïse façon pour lui composer lui ça lorsque pour être capable m'a dit que consacrer Aaron. Ça veut dire pour nous mêmes chers frères et sœurs unité ça que n'a pas parlé à son bagage qui sacré que lié. Son bagage qui sacré qui sortit de bon Dieu.
Non seulement son bail qui sacré, mais pas pour entrer dans la culture de l'huile, etc. Ce n'est pas bien temps. Même t'as dit que l'image de l'huile, comme nous, jolie, son bail qui sacré, parce que c'est avec l'huile, ça, il a consacré à Aaron pour lui faire et travail de grand prêtre, encore de grand sacrificateur, etc. T'as dit que il y a une grande signification, parce que c'est bénédiction que lui représente. Donc, dit que nous-mêmes qui sommes chrétiens, lorsque nous parlons de sacrificateur, encore de grand prêtre, nous réalisons que c'est Jésus-Christ même qui est grand prêtre, nous. C'est-à-dire que, en tant que grand prêtre, nous, c'est ça que Jésus-Christ y est pour nous-mêmes. Donc, bénédiction, nous, la venue de lui-même. Même Jean-Louis l'a descendu sous corps Aaron qui représentait une bénédiction. Et bien, c'est même Jean, nous-mêmes, qui gagnait Seigneur, nous, Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui-même qui a fait bon, nous, bénédiction lorsque nous acceptons pour nous vivre dans l'unité. C'est lui-même qui tête là-bas, vrai? C'est ça que lui dit, lui tête là, et puis nous-mêmes, nous là, ensemble avec lui. Non seulement ça, le nous continuer avec comparaison et que David a fait, lui disant ça que c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Deux montagnes ça, il y a deux aspects qui différents. Sinon aller dans l'histoire, on a réalisé que montagne de l'Hermon c'est une montagne qui était très fraîche. Côté que tu as toujours un snow là-dedans, ou encore et neige, et lorsque tu dit que neige ça a fond, l'eau neige là, elle descend, elle aller vers la montagne de Sion, et la montagne de Sion sont zones qui étaient un petit genre, zone séchée, aride, merci, une zone qui est aride. Mais zone aride, ça, seul gens que les capables bail produit, c'est lorsque rosée de montagne de l'Hermon descend l'hypothèse et vie dans terre qui aride ça. Donc on a dit que le David comparé et unité à lui montrer que unité ça que nous gagnons, même gens que montagne de l'Hermon, hein, pas vrai, ils sont source de bénédiction, sont source de vie pour l'autre montagne là, nous-mêmes également, chers frères et sœurs. Lorsque nous gagnons unité la caille, nous, bénédiction que bon Dieu pourra déverser sous nous, hein, bénédiction ça, il pourra aller et overflow sous l'autre monde. Alors, nous parler partager bénédiction ça avec l'autre monde. C'est ça, c'est l'idée que l'auteur a expliqué nous là, à savoir que lorsque nous unis entre nous-mêmes, Seigneur a déversé bénédiction sur nous-mêmes. Et lorsque il déverse bénédiction sur nous-mêmes, bénédiction que il déverse sur nous-mêmes, non, n'est pas vraiment pour nous-mêmes seulement, nous devons partager lui avec l'autre. Même Jean montagne de l'Hermon, pas vrai? Li béni par tout ça que bon Dieu bali. Et bien, montagne ça, li permet que montagne de Sion, j'ai une bénédiction tout. Dans la vallée de Sion, il y a toute bénédiction qui passait. Nous avons dit que dans ce sens ça, nous avons dit que lorsque bon Dieu, lorsque nous unissons, bénédiction marchait avec unité, chers frères et sœurs. Bénédiction marcher avec unité, quel que soit c'est dans l'église ou encore dans la famille. Lorsque famille unie, son bagage qui spécial. Et lorsque l'église unie, son bagage qui spécial. Et nous réaliser que ennemi en parrain main lorsque gain unité. Ennemi en parrain main lorsque gain unité. Verset 3, et Paul m'a dit ça, quand c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bon Dieu, voyez bénédiction. Qui côté le voyez bénédiction? Lorsque gagne unité. Car c'est là. Dans le sens que lorsque gagne unité, yon côté, bon Dieu, lui-même, lui voyez bénédiction. Nous sommes capables de garder famille, monde qui unit.
Nous capable garder l'église qui gagne unité la caillou. Nous capable garder pays qui gagne unité la caillou comment ça y est. Ba yo marcher plus bien. Gagne plus harmonie. Pas vrai? Gagne plus harmonie. Et bon Dieu, lorsque l'a béni, il béni de plusieurs façons. Et David lui-même qui écrit psaume ça, laissez-moi dire que David connaît en pile division. Parce que David prend division la caille et dans propre famille. Pas vrai? Propre famille David divisé contre lui. Et lorsque David vini roi, rappelons que David a dirigé et Judas. Pas vrai? Alors que monde qui était supporté et Saül malgré qu'il était mort, il était campé contre David. Jusqu'à ce que il vienne faire unité avec David. David subit n'a dit que division même dans propre la caille côté que Absalom qui s'est petit levé contre lui. Donc, lorsque David a parlé de unité, hein, David connaît ça, ça veut dire, parce qu'il connaît qui ça, ça veut dire également, absence de unité. Il voit comment absence unité fait du tort, et il voit également comment présence unité, comment bon Dieu bénit famille, comment bon Dieu bénit pays. Voilà pourquoi David dit en ça que lorsque il y a unité, l'Éternel voyait bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole de bon Dieu dit nous ça, et dans Jean 10, verset 10, que voleurs sont venus pour voler, pas vrai? Pour égorger, pour détruire. Mais Jésus-Christ a parlé de ça, que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Lorsque bon Jésus-Christ baille la vie, il baille la vie en abondance. Et c'est 3 Jean, verset 2, cap de nos bien-aimés, je vous souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Et lorsque nous prenons psaume 1er, qui ça le dit non? Et où l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui ça vient de joindre nuit? Qui ça le joint lorsque la médite la parole jour et nuit? Qui donne son fruit en sa saison et de faire ne se fait point, tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est la bénédiction que le Seigneur a préparée à nous-mêmes, chers frères et sœurs. Lorsque nous vivons en unité, nous sommes capables de dire que nous avons une vie en abondance. Lorsque nous vivons en unité, nous sommes capables de vivre les promesses que bon Dieu fait à chacun de nous-mêmes. Unité, c'est un don que le sorti de bon Dieu exactement. Unité, bon Dieu bénit lorsque nous vivons ensemble, vrai? Et ça qui est important, c'est que la vie, lorsque nous vivons ensemble, bon Dieu, il prend plaisir dans ça. À ce est-ce que nous avons choisi pour nous vivre dans l'unité? Lorsque nous vivons dans l'unité, chers frères et sœurs, nous avons dit que nous avons grandi spirituellement. Lorsque nous vivons dans l'unité, nous avons dit que physiquement, l'Église a grandi, encore numériquement, l'Église a grandi, financièrement, l'Église a grandi, parce que nous avons réalisé que la cause qui unit nous ensemble, ce n'est pas une cause, nous avons dit, égoïste, mais c'est une cause pour nous prêcher la parole de Dieu, c'est une cause pour nous chercher les âmes à Christ. Donc, lorsque nous connaissons qui cause qui unit nous ensemble, nous sommes prêts pour nous supporter cause ça, pas vrai? Donc, lorsque nous avons dit que nous vivons ensemble, spirituellement, on a grandi ensemble. Nous besoin d'une autre. Nous n'avons pas faire autre là pour compte, nous. Nous besoin d'une autre. Lorsque nous vivons ensemble, chers frères et sœurs, bon Dieu a répondu à prier, nous. C'est pour ça que lui fait. Lorsque nous deux, nous trois, nous réunis et nous mettons d'accord sur ce que nous demandé là. Qu'est-ce que ça lui dit? Il dit, la paix, répondre à prier, nous.
Lorsque je dis que nous vivons ensemble, je dis que le monde là connaît qui est-ce que Jésus-Christ est. Parce que le monde là pour un miracle que Jésus-Christ fait la caille, non? Et lorsque nous avons un miracle, ça, le monde là demande qui est-ce qui est ce sauveur là? Qui est-ce que nous observons? Lorsque nous vivons ensemble, je dis que bénédiction a tombé sur nous-mêmes. Et nous avons une source de bénédiction pour l'autre. Et c'est ça le dans le temps, dans le temps et l'église primitive. Côté que l'église primitive, lorsque l'autre est tapé, est attaqué, est ignoré, mais est venu dans cette grande famille. C'est là que tu as une sécurité dans cette grande famille qui est l'église. Lorsque nous avons dit que nous vivons dans l'unité, bon Dieu lui-même l'a fait que nous gagnons la paix. La fait que nous vivons en harmonie, la fait que l'autre chose connaît qui est-ce que lié. Dadi, veux-moi pour nous-mêmes et veux pour l'organisation que Pasteur Réjuit a commencé, c'est que nous cherchions l'unité. C'est que nous vivons dans l'unité. Et pendant que nous avons dit bon Dieu merci, pour tout ça que lui fait pour nous-mêmes. Pendant que dans la période de Thanksgiving, nous avons parlé, réjouis-nous ensemble. Dis-le merci pour l'unité. Dis-le merci pour le salut. Dis-le merci parce que lui mettez-nous ensemble. Lui marrez-nous ensemble pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On dit amen, bien-aimé. Amen, amen. Nous pouvons le aller bien vite. Comme nous sommes capables de voir le message là, il est centré sur le son que nous avons étudié par moi ici. Donc, nous voyons que c'est la voix du Seigneur qui a parlé et nous devons étendre et mettre en pratique. Amen. Avant que nous puissions chanter 47 dans Réveillons-nous, qui dit c'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur et la vie. Nous sommes capables de terminer. Mais avant tout, nous t'avons dit merci avec chaque monde qui t'est venu à Soya, qui t'est rendu le programme ça, t'es une réussite pour présence sur les parents, les membres de l'église et plus particulièrement les groupes qui t'est chanté pour nous-mêmes. Et nous connaissons que tu as fait de grands sacrifices pour être capable de faire préparation et acheter un uniforme, bel chapeau, bel costume, bel col. Pour être capable de venir là, rendre que nous sommes capables de faire un bel programme à Nessa. Nous disons merci. Nous avons Fabo, El Shaddai, Témoin de l'Agneau, Chorale des Dames et Children Ministry qui t'a fait un travail qui était très bien. Maintenant, nous disons merci. Mettez-nous debout, nous pourrons chanter Cantique ça. Et puis après ça, nous allons mettre avec Pasteur Monel. Lui-même est capable de terminer pour nous par la prière et la bénédiction. Il est capable de mettre fin avec soirée. Que bon Dieu bénisse.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous voulons dire merci à l'église Chilo. Nous va voulons en activité ça a tombé. Et pendant que les autres pasteurs pas étaient capables là, et nous avons fait appel à l'église en Chilo. Et nous avons en pile en yo, te présenté tout particulièrement et pasteur Élisée. Et nous avons soif pour t'étendre livre parce qu'il toujours travaille avec pasteur Jacob. Nous sommes habitués à pasteur Jacob. Les prêcher réveil pour nous. Mais nous n'avons pas de chance d'entendre pasteur Élisée. Et nous connaissons dans communauté à travail. Nous disons Seigneur la merci que bon Dieu est capable de bénir, pasteur Élisée. Et bon Dieu est capable de bénir tout le temps serviteurs, servantes. Nous avons fait appel à eux-mêmes, des groupements, des dames, témoins de la yo, El Shaddai, les enfants, ils ont tout te répondre et ils ont fait ça très bien et soirée à ton soirée bénie. Nous disons Seigneur la merci. Il est arrivé, nous baissons tête nous pour bénédiction. Que l'Éternel, notre Dieu, répande sur chacun de nous sa grâce, sa bénédiction dès maintenant et pour toute éternité. Maranatha, allez en paix, que Dieu vous bénisse. Et n'a pas demandé si Sœur Jiménez là.